Aujourd'hui, je vous emmène dans mon dressing. Moi, c'est Doug E.T. En célébrité closette. Oh, bonjour Africa Fashion TV, vous êtes déjà là? Je vous en prie, entrez, bienvenue. Suivez-moi, désolée, j'étais presque pas prête. Juste ma petite touche de glossy glossy. Gloss de la gloire. Voilà, voilà. Et suivez-moi, je vais vous faire visiter ma fameuse dressing. Alors, bienvenue dans mon dressing. Tout d'abord, je me présente. Je suis Doride Nzaponyoro, originaire de la République Centrafrique, productrice d'une émission de télé-réalité qui se nomme Be Africa Next Top Model. Donc c'est la première édition de télé-réalité qui a eu lieu dans mon pays, la République Centrafricaine. Et du coup, je présente aussi des émissions qui s'appellent Bangui Fashion. Donc c'est aussi sur la mode. Bon, comme je suis juste de passage sur Abidjan pour un voyage d'affaires, donc du coup, la collection de mes blazers. J'adore porter les blazers. Par exemple, celui-là avec un petit jean. Voilà. Ça vient de Galerie Lafayette. Tout simple en fait. Si j'ai un petit dîner et tout, je peux partir avec. Ça. C'est un blazer smoking. En soirée, ça se porte très bien. Voilà. Ça vient également de Galerie Lafayette. Vous voyez, tout en noir. Et enfin, ça, ou si je suis invitée par exemple à un déjeuner et tout, je m'en vais avec un petit jean, un petit t-shirt blond. J'ai des blazers, j'aime beaucoup des blazers. Donc voilà, ça, ça. En noir, au cas où, si j'ai des rendez-vous d'affaires aussi, également. Et en tant qu'Africaine, j'adore le wax. Donc, regardez, Made in Africa, ma favorite one. Donc, cette robe, vous la voyez, elle me va bien, hein, n'est-ce pas? Regardez-moi ça, elle est magnifique cette pièce. C'est Moss Ave, vous devez l'avoir dans votre dressing. C'est. Voilà quoi. Voilà, vous voyez comment c'est. Pour un petit dîner. Tout simple. Et c'est classe et joli. En tout cas, c'est l'une de mes pièces favorites. Là là, la robe de la gloire. La robe glorieuse. Ta-da. Elle est magnifique. Donc c'est un mélange de voile et du wax. Ça aussi, ça se porte, pourquoi pas, pour un mariage, en soirée. Elle est magnifique. Elle ressemble à peu près à l'autre que je vous avais montré. Mais elle est plus classe, plus jolie. Et ça passe partout. Regardez-moi ça. Je continue avec les robes wax. Parce que je suis fanatique du wax. Celle-là, je l'adore. Je vous dis, je l'adore. Hein. Alors, regardez-la. Waouh. Elle est très bien quand on va à la plage. En dîner, entre amis. Et ce que j'aime bien sur cette robe, vous avez vu, Made in Africa. Regardez-moi le dessin. Ça représente l'Afrique. Ça représente la femme. Vous voyez. On a tellement de beaux tissus chez nous. Alors valorisez nos tissus, mesdames. Cette fabuleuse robe vient du styliste Uki Kourbi, qui est une Indonésienne qui s'est installée sur Abidjan. Donc je l'ai achetée dans sa boutique. Dès que je l'avais vue, ouf, un coup de cœur pour moi. Elle est magnifique, hein. Franchement, le tissu. C'est vrai, j'aurais bien
voulu l'essayer, mais comme on a très peu de temps, peut-être une prochaine fois. Oh là 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 là, la robe de la gloire encore, la robe glorieuse. Celle-là, je l'adore et je l'adore. On va déposer ça. Regardez-moi ça. Non, ça c'est la robe princesse. La robe de principauté. Vous pouvez... Vous portez ça. Moi je porte ça hein, en général quand je vais en soirée, de mariage surtout. Et ça, quand je mets ça, ouf, les regards sont que pour moi, je vous assure. Donc voilà, regardez, elle est faite de petites paillettes. Pas trop bling bling, hein, discret. Donc du tissu, du wax et encore du wax. Et puis voilà quoi, la robe glorieuse. Regardez-moi ça. Qu'est-ce qu'on a là? Elle est magnifique. Il est magnifique. Désolé. Le beau pantalon, pas de def, qui est tendance aussi sur Abidjan en ce moment. Donc je me suis procuré ça. Avec un petit top. Et le tour est joué. Vous partez faire vos shopping. Ou un petit dîner encore en fait. Voilà. Et celle-là. Regardez la robe, the robe. Regardez-moi ça. Elle est faite à base de dentelle. Et oui, fait des choses. Je vous en prie, quand vous venez sur Abidjan, même si vous êtes sur Abidjan, contactez-le. Dès qu'il vous voit, c'est comme s'il vous a dessiné et la robe, elle est top. Top. Quand c'est sur moi, vous la voyez, vous n'allez même pas y croire, je vous dis. Cette robe, au cas où, pour une soirée white. Voilà. Bien fait. Je la porte pour un dîner, pour un rendez-vous ou pour une soirée white. Et j'ai aussi ce pantalon en pince qui est là, que je porte parfois avec le blazer. Voilà, vous voyez que c'est top. Avec des baskets également, ça fait le tour est joué. Et pour ça aussi, je mets ça. C'est de la fourrure et tout. Donc, étant donné que je suis souvent sur Paris, donc quand j'arrive, surtout en hiver, c'est vrai que nous, les gens en Afrique, on n'a pas de manteau. Donc, je mets juste ça dans ma valise dès que j'arrive à l'aéroport et hop, je porte ça et le tour est joué. Ça m'évite de prendre un petit coup de froid. Le top qui est là. Moi, ce que j'aime bien sur ce top, c'est ce petit détail-là. Et c'est top, top. C'est toujours la styliste philippienne. Voilà, qui est là. Regardez. La queen. Ça va avec tout, hein. Et ça donne un plus, quoi. Un waouh à votre tenue quand vous la portez. Voilà. Le fameux chapeau. Un petit bouclier. Tout simple. Avec un top, c'est pas compliqué, hein. C'est pour ça que j'aime. Parfois il faut aimer les choses simples, et voilà, j'aime trop ce petit collier qui vient du Sénégal. Alors, fameuse pièce tendance, you must have in your dressing. Vous devez l'avoir dans votre dressing. Tout le monde l'a, c'est vrai qu'il faut être différent, mais bon. Étant donné que c'est tendance, j'aime bien, voilà quoi. Regardez, comme ça, ça prend bien le coup. Et voilà quoi. Et le bracelet qui va avec. Lundi, par exemple, j'aurais envie d'afro. Voilà. Afro. Voilà, cette perruque afro. Très bien. On dirait mes cheveux parce que quand je la porte, tout le monde croit que c'est mes cheveux. Voilà. Ça aussi. Donc ça a été coiffé, donc je n'ai pas eu le temps de la défaire avec l'arrêt au milieu. Voilà.
Voilà, tout simple quoi. La perruque, la fameuse one. La fameuse one, toujours hein, Afrique, Afrique, Afrique. Valorisons nos produits. N'est-ce pas, mesdames? Valorisons nos produits. Regardez-moi ça. La perruque toute blonde avec la petite frange qui est là. La laisse. Très magnifique. Et je l'adore, cette perruque d'ailleurs. Donc, sublimez-vous, mesdames. C'est très important et on se sent bien dans notre peau. Voilà, nous avons fini de ce côté-là. Et on va voir de ce côté. Ça, c'est des sacs. Alors, il faut valoriser l'Afrique. L'Afrique. Donc, ce sac vient du... C'est en cuir, hein. Le sac, il est en cuir. Ça vient du créateur, le styliste Alfadi. Et voilà, elle est très classe. On sent la qualité, voilà. Et quand je porte, tout le monde me pose la question, où tu as acheté ce sac? Je suis une Africaine, je valorise mon produit. Mes chaussures Maasai, vous pouvez mettre ça avec une petite robe ou quand vous sortez. Parce que parfois, c'est bien de laisser respirer ses pieds. Voilà, ces chaussures aussi sont tendance pour le moment. Donc, que ce soit en Afrique, que ce soit en Europe, voilà, vous mettez, ça va avec tout. Une robe, une jupe, un pantalon, voilà. Et en plus, surtout, c'est bien pour l'Afrique parce que quand on marche, bah, ça évite la poussière, ça évite nos pieds de prendre la poussière. Ou quand il pleut, bah, ça évite aussi... que nos pieds puissent prendre la bouffe. Donc voilà. Et comme partout, hein, quand on arrive quelque part, on part toujours avec ses baskets parce que on se sent bien dans les baskets. C'est quand on veut faire du sport et c'est l'Espace Smith Adidas, de la marque Adidas. Sur ce, je vous dis à la prochaine. Donc on se retrouvera peut-être en Centrafrique alors. Allez, bisous, à la prochaine. Aujourd'hui, je vous emmène dans mon dressing. Moi, c'est Dougiti. En célébrité closette.